What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Programme split, biceps, triceps. Bon, ça, c'est un programme split où normalement, je devrais pas le mettre, mais j'ai envie de le mettre. Avoir des bons biceps et des bons triceps, c'est important, c'est ma spécialité. Tu connais, j'aime bien bosser ça. J'aime bien avoir une congestion incroyable et j'aimerais t'en faire partager. Donc, on va faire 4 exercices. Deux biceps, deux triceps, aux haltères, prépare tout, on y va. Premier exercice, curl supination en deux temps. On va prendre nos haltères, on va faire hop, une demi-rep, une rep complète, ça fait une. Et comme je suis méchant, juste après ça, on va se faire 10 reps en supi, tranquillement. Donc là, les deux exercices, on va prendre hop, les deux haltères. On va se faire mal à chaque fois. Il n'y aura pas d'unilatéral, on va pas se reposer. On va se faire mal. Ok? Donc, on prend nos haltères. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, dix, direct normal, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Par contre, je sais pas pourquoi l'application elle est sortie. Voilà. On a le temps de repos. Normalement, le temps de repos il est très court pour les biceps. Très court. Est-ce que je suis méchant à ce point et de te faire une minute de temps de repos? Oui, donc une minute de temps de repos, les biceps récupèrent très vite. On va avoir mal, je vais avoir mal, tu vas avoir mal, nous allons avoir mal, nous sommes là pour réussir. Avant tout, c'est important. Une minute et non une minute trente pour le temps de repos. Peut-être que pour les triceps, on verra. Mais on doit se faire mal. Sinon, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, que tu vas passer une bonne journée ou que tu as passé une bonne journée. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas passer une bonne journée en ayant mal. Parce que c'est ce que je veux. On est là pour évoluer, pour se faire mal. Si je ne suis pas là pour ça, personne ne sera là pour ça. D'accord? Donc, on va se faire mal aujourd'hui. C'est parti pour la deuxième. Allez, on y va, c'est parti. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une. 2, 4, allez. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, allez. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Là, au niveau de la congestion, elle va se sentir. Elle va vraiment se sentir. Par contre, c'est à partir de là, tu vois, c'est trop dur. Tu vois, tu vas pas tenir. Prends 30 secondes de repos en plus. Ok? En revanche, pour les vrais soldats, les gens qui en ont rien à faire et qui se disent, écoute, dame, je te suis quoi qu'il arrive. On continue comme ça. Ok? Ça, c'est seulement pour les vrais soldats, pour les gens des forces spéciales. D'accord? Parce que, tu vois, il y a une partie force spéciale et une partie réserviste, tu vois, mais qui arrive progressivement. Moi, je m'adresse à tout le monde, mais on s'entraîne à la force spéciale. C'est comme ça que ça marche. On attend tout le monde, mais voilà. Les autres doivent s'adapter. Ils doivent pas. Ah, ok. Ils doivent s'adapter. Nous,
on progresse, on y va, on se fait mal, parce que c'est ça qui est bon. Sachant que la plus importante des choses, c'est qu'il n'y a pas de perdants. Il n'y a que des gagnants et des gens qui aspirent à être gagnants. On y va. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Quatre. Une, deux. Cinq. Une, deux. Six. Une, deux. Sept. Une, deux. Huit. Une, deux. Neuf. Une, deux, dix, les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, dix. Ok, on est bien. Voilà. Il nous reste une dernière. Après exercice 2. Mais là, on est bien. On est bien. Je sens que j'ai mal. Dans tous les cas, si tu suis un peu mes programmes, là, je suis dans la continuité. Aujourd'hui, je fais plusieurs programmes en même temps. Donc là, je peux te dire que là, je suis chaud. Là, je suis chaud. Là, je suis bouillant. Là, je suis bouillant. C'est le deuxième programme que j'enchaîne. Après, si j'ai un peu de force, on va enchaîner le programme d'eau. Juste après, on a quoi? On a dos. Ah, j'ai dos biceps et dos épaules. Ah, je voulais vraiment que t'évolues, hein. Dos biceps, dos épaules, pec triceps. Incroyable. Là, t'auras du split à tout va, là. C'est incroyable. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. On y va, c'est la dernière. C'est parti. Allez, une, deux, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, allez, une, deux, huit, une, deux, neuf, 1, 2, 10, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est bien. Je vais montrer. Là, je vais me mettre 2 minutes de repos, mais toi, tu peux prendre 2 ou 3 minutes de repos, peu importe. Et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, biceps. On va se faire de la prise marteau cette fois-ci ou prise neutre, tout dépend comment tu veux le dire. On va prendre nos haltères. On va se faire 10 reps unilatérales et 10 reps les deux. Mais je suis en train de réfléchir à comment je vais te faire ça. Est-ce que je fais un truc facile dans le sens où on va faire ça, ou est-ce que je fais 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre et 10 reps les deux, qui va être plus chiant et plus dur. Comme tu me connais, tu sais déjà ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. On y va, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, 10 reps d'un côté. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Une minute de temps de repos. Ça va faire mal. Une minute de temps de repos. Pour ces bêtises. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, c'est pas optimisé de faire 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre et 10 reps les deux. C'est optimisé, d'accord? Je suis pas là pour écouter les gens faibles. Je suis là pour me faire mal, évoluer, progresser.
et j'emmène mes soldats qui veulent progresser avec moi dans la difficulté. Nous sommes pas là à dire c'est pas optimisé ou c'est dur. Nous sommes là pour avancer. Si c'est dur, tu t'adaptes. Tu prends plus de temps de repos, tu te reposes, tu dors. Si tu veux souffrir, tu continues, tu restes avec moi et tu valides ta série. C'est ça qui est bon. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on avance. C'est important. Et si ces programmes, ils plaisent et tout, eh ben je ferai des splits de bodybuilder avec de la contraction. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Il nous en reste deux, les gars. Quand je dis les gars, c'est les gars et les femmes qui me regardent, ok? Les gars, j'ai fait un partenariat avec RhinoShield. Enfin, c'était pas vraiment un partenariat. Parce que ils m'ont dit, salut Dame Jordan, on aimerait que tu fasses partie de nos collaborateurs pour faire de la pub pour cette gourde magnétique. Tu vois, une gourde où tu mets ton téléphone dessus et tout. J'aurais dit, ouais, y a pas de souci, j'étais content. Comme RhinoShield, tu vois, ils ont des sous, tu vois. Ils ont des sous, ils rincent bien les youtubeurs connus. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, de toute façon, je sais qu'on peut payer, vu que tu es un petit et tout. J'aurais fait des contenus de qualité. Je t'invite à aller voir sur mon Instagram. J'ai fait 3 vidéos pour eux. J'ai envoyé un mail, parce que je sais qu'ils ont pas vu les vidéos. J'ai envoyé un mail, oui, j'ai fait 3 vidéos pour vous et tout. Ils ont vu le mail et ils m'ont envoyé un long pavé. Et je te dis ça après. On y va. Allez. On y va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Il nous en reste une dernière. Après, on est bien. Hop, temps de repos est mis. Ils m'ont envoyé un long pavé. Ils m'ont dit, on aime bien les vidéos, faut que tu nous les envoies et tout, je sais pas quoi. Avec l'équipe, on a tellement adoré ton contenu et tout. Il faut que tu nous les envoies. On va faire un truc win-win. Ou tu vas nous envoyer un lien pour qu'on puisse sponsoriser ta vidéo. Ça va te faire des abonnés, nanani, nanana. En fait, ils m'ont envoyé un truc de ouf. Et moi, je leur ai dit, français. Là, je vais abréger, mais je leur ai dit, écoutez, je suis un vidéaste professionnel. Si vous voulez mes contenus, il faut payer. Tu vois, c'est pas... En fait, moi, mon win-win à moi, c'est win-win. J'ai des sous et je t'envoie. Je suis content. Moi, avoir de la pub, être connu sur Instagram, j'en ai rien à faire de ça, clairement. Ils ont compris ça, ils ont vu ça. Pas de réponse. Ça fait une semaine et demie. Pas de réponse. Rien. C'est incroyable. Pourtant, ils ont des sous, hein. Les gros youtubeurs qui présentent leurs produits pas efficacement, ils ont... On y va, c'est parti sur la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Thank you.
On est bien. Quatrième trait. Je prends 2-3 minutes de repos. Non, j'en prends 2 minutes de repos. Et on passe au troisième exercice. Et je continuerai la suite de RhinoShield. Prochain exercice, c'est le French Curl. Je suis désolé, je suis de dos, mais tu vas bien m'entendre quand même parce que j'ai le micro. Ça, c'est bien. Alors, on prend notre halter tranquillement. On le met derrière nous, comme ça. Moi, j'aime bien mettre mes mains, attends, comme ça, là, tu vois. Je mets mes mains à plat. Et hop, tu balances en haut, ça bosse les triceps. Donc, on va faire ça bien. D'ailleurs, améliore ce dos, comment il est incroyable. On va faire ça bien. 4 fois 10 répétitions, tranquillement, 1 minute de temps de repos. Allez, on y va, c'est parti. Et là, tu peux charger. Au niveau des poids, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, reste là, on en fait encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ouais, parce que 10, même avec une grosse charge, c'est bien, mais pour les triceps, c'est un muscle ingrat. Enfin, c'est un ensemble de muscles ingrats. Donc, il faut vraiment les bosser efficacement. Au niveau de RhinoShield, tu vois, le problème, c'est que pour la promotion de cette gourde-là, ils ont plein d'influenceurs, ils ont plein d'ambassadeurs qui sont plus ou moins connus, qui ont l'argent et qui promouvoient la marque de la mauvaise façon pour moi. J'ai vu un ambassadeur boire comme ça, en vidéo, alors qu'il y a une paille dedans. S'il y a une paille, c'est pour aspirer. C'est pas pour boire comme si tu étais à Miami. Et ça marchera pas parce que, en fait, l'eau qui est dedans, quand tu retournes, la paille, elle est là et l'eau, elle est là. Donc, tu peux pas boire comme ça. Comment tu peux partager des gens qui font ça? C'est n'importe quoi. On y va, c'est parti pour la deuxième. Allez. 20 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Temps de repos, effacer, démarrer. 2. C'est ça le problème avec eux, avec les grosses marques. Les grosses marques ont l'argent pour les gros youtubeurs, mais pas pour les petits youtubeurs. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai pas envie qu'on me voie comme un influenceur lambda. Je veux qu'on me voie comme un créateur. Certes, un influenceur, si jamais j'ai les abonnés pour être influenceur, mais je veux qu'on me voie pour un créateur, pour prendre les sous que je mérite de prendre en tant que créateur et pas en tant qu'influenceur. Oui, parce que moi, je peux te faire du contenu publicitaire. Je peux te faire du contenu où peut-être 2-3 personnes, peut-être une équipe de 2-3 personnes peut faire, tu vois. Moi, je le fais tout seul, clairement. Je te fais du contenu pro tout seul. J'ai pas besoin de vidéaste, pas besoin de photographe, j'ai besoin de personne. Moi, le produit, mes lumières, mes caméras, je te fais un truc de fou. Et je vais te payer en tant que tel. C'est important. Allez, on y va. C'est parti pour la troisième. Fais ça bien, 20 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Ok, 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 ok. On est bien, temps de repos, 3. C'est dommage en plus, hein, parce que j'ai joué le jeu. Tu vois, j'ai un code promo avec ça. J'ai un code promo, c'est Dams Jordan sur RhinoShield. Mon code promo, en fait, c'est un code qui
qui sert à rien, dans le sens où si demain t'achètes avec ça, enfin avec mon code promo ça ou un produit RhinoShield, et ben eux auront l'argent, moi j'aurai rien. Moi ce que j'ai eu le droit d'avoir c'est juste ça, tu vois. Mais le fait de demander des sous pour mon travail, et ben ça, voilà, ça bloque. Si jamais ils répondent, bah, je ferai une autre vidéo où je m'excuserai, d'accord, programme et tout. Mais là, pour l'instant, une semaine et demie, ils réfléchissent ou je sais pas. Je vois, ils ont sponsorisé d'autres personnes. Je pense qu'ils ont pas de budget pour moi. Ils disent, non, lui, c'est un Renoir, c'est mort. on veut pas. C'est soit gratuit, soit rien. Malheureusement, c'est la dernière, on fait ça bien. Allez, 20 reps. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Bien entendu, hein. Je rigole au niveau de toutes les marges. J'en veux pas à RhinoShield. C'est leur système. Ils ont choisi d'être comme ça. Peut-être qu'à leur place, j'aurais fait pareil. Ou peut-être que j'aurais respecté les petits créateurs qui travaillent bien, je sais pas. Parce que je suis pas à leur niveau. Mais je peux comprendre, malheureusement. En tout cas, je serais toujours content de collaborer pour des petites marques. Ça me permet de faire des pubs, m'entraîner à faire des pubs. Et aussi voir si ça plaît aux marques. Là, je vois que mon travail plaît aux marques. Donc, peut-être qu'avec une autre marque, je serais payé pour ce que je sais faire. Avec eux, non, mais peut-être qu'avec d'autres, oui. En tout cas, là, on a fait nos 4 séries, bien, tranquillement. Prends 2 minutes de repos et on passe au dernier exercice. Et on va rester comme ça. Dernier exercice et on reste comme ça, comme je l'ai dit. On va se faire la même chose, enfin non, pas la même chose, mais hop, on prend notre halter avec un bras extension, comme ça, hop. Hop, ok. Alors, ce qui est dur, c'est de rester droit. Donc, moi, avec cette main-là, je vais tenir le banc et essayer de pas bouger pour bien faire ma série. Ça va être dur, mais c'est un exercice efficace pour les triceps. On n'a pas de poulie, on n'est pas en salle et tout, on n'a pas ce confort-là, mais on peut quand même bien bosser ses triceps de la bonne façon. On y va, on part dans 5, 4... 3, 2, 1, on fait 10 reps. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Ouais, ça fait mal. Ouais, je le sens que ça fait mal. Vraiment. Hop, extension unie. Une. Alors ça, moi je l'appelais extension triceps unilatérale. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, c'est French Curl, je sais pas pourquoi l'appeler French Curl. Ça doit être un français, il est venu en Amérique. Il a fait, ah, si je faisais ça, allez, French Curl, incroyable. Pour moi, c'est des extensions triceps diverses et variées. Mais ouais, j'en veux pas RhinoShield, hein, j'en veux pas. Et si d'ailleurs tu veux prendre ta gourde avec le code Dame Jordan, ben tu peux prendre, ok. Ça dépend de toi. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant, un peu cher pour ce que c'est, parce que c'est une gourde trépied, mais autant avoir un trépied. En vrai, si c'est pour filmer, si c'est vendu pour filmer, autant avoir un trépied, c'est mieux. Et puis voilà, hein. voilà, hâte de bosser avec une autre marque, ça serait bien. Allez, on y va pour la deuxième, c'est parti. Hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9,
10. J'ai très peu de mobilité, c'est incroyable, je suis pas souple du tout. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouf. Je vais montrer. Tu vois, ce qui est important, c'est que dans mes programmes, je mets vraiment les exercices à l'ancienne, tu vois. Je mets les exercices des anciens, que tu vois dans les livres et les manuels. Je mets pas les exos des réseaux sociaux. Tu vois, les trucs où tu prends des haltères, tu fais des cercles, où tu fais des... Non, tu vois, moi j'aime pas ça. Je préfère les trucs des anciens, les doubles contractions, l'exercice qu'on a déjà vu, revu, re-revu, et entendu et tout. Je préfère faire ces exercices-là qui marchent que te faire faire n'importe quoi, clairement. Ça, très bon exercice. Assez dur d'avoir un bon ressenti au niveau de sa mobilité, mais exercice à faire et qui bosse bien les triceps. Au détriment d'avoir une poulie ou quoi que ce soit. Moi, j'en ai une. Je peux te le faire sur la poulie, mais qui a une poulie à la maison à part moi? Qui? Ou à part si toi, vraiment, t'as un home gym et tout, mais dans la majorité, on n'a que des haltères. Donc, haltère, c'est important. C'est la dernière. C'est la dernière? Non, c'est la troisième. C'est la troisième. Allons, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, c'est rien. 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté, on y va, on fait ça bien. 1, 2, on n'abandonne pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bizarre, j'ai une meilleure mobilité ici que ici. Très bizarre. Vraiment. Meilleure mobilité à gauche qu'à droite. Je mets le temps de repos. Hop. D'ailleurs, là, tu vas gratter un peu plus parce que j'ai parlé, mais bon. C'est la dernière dans tous les cas. C'est la dernière. J'espère que tu as des bonnes sensations, des bons ressentis. N'hésite pas à me dire en commentaire, ouais Dams, là j'ai pas très bien senti, voilà j'ai bien aimé et tout. Ça me permet de m'améliorer, pour faire de meilleurs programmes, de meilleures choses. Si tu sens pas trop cet exercice-là, baisse un peu les charges, histoire de bien faire le mouvement. Si tu sens pas du tout, même en baissant les charges, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Ça me permet d'analyser plusieurs choses et de créer des programmes adéquats. Pour la majorité du peuple, c'est important. Parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes ressentis. Mais moi ça me permet d'analyser ce que je fais au niveau de vous et aussi de m'adapter. Ça, c'est important. Bon, c'est la dernière. On fait ça bien. On envoie de la meilleure des façons. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est bien. Je mets mon trait de la victoire. Ok. En tout cas, on a fini ce programme. J'espère que tu as pu kiffer. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, ça m'aide. Ça m'aide vraiment beaucoup. Partage la vidéo à tous tes potes qui veulent se mettre à la muscu, qui n'ont pas de programme, qui veulent être balèzes pour la rentrée ou alors pour tout le temps, hein, partage. Si tu as des compléments que tu prends chez MyProtein, tu as le code DAMS. De toute façon, le lien, tout est en description. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.